J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Oui, c'est très français ça. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Mais le mot alcoolique, c'est pas beau. Ça t'arrive pas à toi, ça arrive aux autres, ça arrive aux voisins, ça arrive à... Puis au sommet de mes problèmes d'alcool, je perds complètement la notion de la réalité. En fait, j'ai compris que l'alcool m'aidait à atteindre une sérénité illusoire, une tranquillité, un repos, une redescente, une désinhibition que j'aurais dû atteindre différemment. J'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai bu, d'être ailleurs. Et j'aimais bien être ailleurs, parce que j'aimais pas où j'étais. C'est comme ça que j'ai commencé à boire. Il est actuellement plus probable que je mette la jaune en bande sans toucher la rayée pour rentrer la noire, plutôt que l'on connaisse, vous et moi, quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool. Et ouais, ça fait réfléchir. Ça ne vous surprendra sans doute pas, mais 6 adultes sur 7 ont déjà consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie. Et oui, le grand TP en fait partie. Après voilà, ce genre de statistiques ne nous apprend rien. C'est même une évidence si on considère que, comme beaucoup d'entre vous, j'habite en France, je suis jeune. Mes parents m'ont fait goûter le pastis quand j'étais minot le dimanche devant Motomoto. La prise en main immédiate hein, de l'alcool. On m'a servi du vin au repas important, et aujourd'hui, il m'arrive encore de taper quelques Jäger bombes en soirée ou une petite pina colada en terrasse. Vraiment, rien d'original. Mais quand même, 6 sur 7, c'est un chiffre qui m'a pas mal interpellé. Genre, c'est une dinguerie que ce soit un truc aussi répandu quand on y pense, que ce soit aussi culturellement, étatiquement admis, alors que c'est l'addiction la plus mortelle avec le tabac. Chaque pays a ses boissons, a ses spécialités, on a des concours incroyables, même de mixologues, les fameux maîtres des cocktails. On voit pas des concours de rouleurs de joint à la télé ou d'experts du rail de blanche. Après, j'ai pas toutes les chaînes de décrypter, sûrement que ça existe. Bref, c'est assez fascinant la relation qu'on a avec ce produit, surtout en France, où on a souvent conseillé de mettre de l'agnole dans le biberon du petit. On a aussi dit beaucoup qu'un verre de vin par jour garde le cœur en bonne santé. Et aujourd'hui, on a quand même entre 30 et 50% de l'Europe qui admet se déchirer totalement la gueule au moins une fois par semaine. Depuis quand on se met des cuitasses comme ça, et pourquoi en France on a aussi cette relation si particulière avec la boisson? Quelles conséquences ça a et quelle est l'histoire de notre consommation avec un grand H des orgies romaines aux boîtes de nuit roumaines? Quelle rime de bâtard! Du coup, comme ça m'a fait un peu réfléchir, j'ai envie de vous proposer un petit contenu agréable qui aborde la consommation de l'alcool sous une autre approche. Peut-être moins moralisatrice, moins conventionnelle, plus smooth like a smoothie. Allez, la vidéo va être très longue. Dans tous les cas, certainement pas en le valorisant. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Modération est dangereuse avec l'alcool à consommer pour la santé. C'est pas ça le truc. Mais plutôt avec une démarche un peu plus empathique, quoi. Venez, on se regarde un peu tous et on se demande concrètement pourquoi on consomme de l'alcool. Toi, moi, la personne qu'il y a là, la lumière qu'il y a là. Pourquoi on adore ça? Pourquoi quand on dit qu'on prend qu'un seul verre, certains finissent par s'en coller 12? À cause de qui ou de quoi? Oh là là là, trop de lobbying en sueur. Et moi, demain, je suis mort. Une des réponses à tout ça, c'est évidemment que la France a une culture spéciale de la boisson, blablabla, dont on entend souvent parler, mais il y a vraiment beaucoup à dire de plus précis d'un point de vue religieux, géographique, médical. C'est important de comprendre les bases et ça fait faire un petit tour d'histoire très chill, vous allez voir. Vous savez chez qui vous êtes, hein ? Vous êtes bien servi. Après, on pourrait aussi questionner les différentes représentations qu'on a autour de nous, qui nous influencent et dont on ne parle pas, pour ainsi dire, jamais, les personnages de films, les séries, la pop culture en général, quoi. Et l'image que cela nous renvoie des hommes, mais aussi des femmes, qui boivent, voire qui sont alcooliques. Vous pouvez aussi penser à certains grands anti-héros adulés par la sphère hip-hop, par exemple Scarface, qui a popularisé un cocktail que désormais tout le monde connaît, on en reparle après. On parlera aussi du rapport familial à la boisson et de l'influence de nos figures d'autorité, et on reviendra sur 2-3 sombres coups marketing qui ont fait exploser les ventes d'alcool, pour le meilleur ou pour le pire, mais ça, c'est notre invité, Jaino, qui va y passer. Ouais, du coup, c'est moi qui y répondra. Et enfin, vous avez été tellement réceptifs aux questions que j'avais posées sur Insta pour m'aider à faire cette vidéo que c'était pas prévu, mais on finira l'épisode par justement revenir sur vos histoires, vos positionnements, tout comme sur quelques réponses à des sondages, quels sont les alcools et les softs les plus appréciés, par exemple. J'en profiterai aussi pour vous glisser mon témoignage d'expérience chez les alcooliques anonymes, parce qu'évidemment, je pouvais pas faire une vidéo sur l'alcool sans vraiment épouser complètement le sujet et aller rendre visite à ces groupes à Toulouse lors de réunions ouvertes. Voilà, après cette longue introduction, bienvenue dans ce deuxième épisode spécial Substance. Le premier était sur la lean, cette drogue ravageuse bien méconnue du grand public. Bientôt 300 000 vues, merci à vous. Merci à Nozman qui avait fait une belle passe-dé à l'épisode. Et il est temps aujourd'hui de relancer le magnéto.
Ma chère Tépézance, revenons un petit peu sur l'histoire de la France et de l'Europe. Commençons avec la tradition gréco-romaine, fondatrice d'une partie de la culture européenne actuelle et qui nous a pas vraiment enseigné le principe de modération à ce sujet. C'était des gros teufers, les gréco-romains, puisque l'excès de nourriture et de boissons représentait pour eux une façon de se connecter au divin et au cosmos. Les Dionysies, qui étaient donc les fêtes grecques en l'honneur du dieu du vin et de l'ivresse Dionysos, étaient des moments assez particuliers. Vu des cortèges, des filets complètement bourrés, ces fêtes ont ensuite plus tard inspiré les bacchanales romaines en l'honneur de Bacchus, équivalent romain de Dionysos. Et là, ces cultes ont pris la forme d'orgies, de boissons et de luxure. C'était carrément devenu un problème d'ordre public à l'époque, l'alcool. Bref, il faut comprendre que le vin, symbole de vie éternelle, tenait une place centrale dans la cité et les célébrations, que ce soit pour la fertilité des hommes ou des champs, tout simplement. La France s'est ensuite composée de comtés, duchés, royaumes, départements à la population judéo-chrétienne. Et qu'est-ce qui est très présent dans ces deux religions ? Le vin. Que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, le vin incarne tout un tas de beaux symboles spirituels, comme la joie, la festivité, la bénédiction, la sanctification, la présence entre, voire l'alliance entre Dieu et le peuple. Il symbolise même le sang du Christ pour les chrétiens, et on retrouve donc les coupes de vin dans les prières du jour du Shabbat juif, ou dans les messes catholiques au moment de l'Eucharistie. Pour la faire courte, depuis des millénaires, notre pays, et bien d'autres, voue un culte et adore, au sens littéral, l'alcool. Même si sa consommation est encadrée et que l'ivrognerie n'est pas pour autant admise dans la plupart des religions, on a une première représentation du vin qui est tout simplement celle d'une substance sacrée. Ok, partie historique vulgarisée, emballée, c'est pesé. Oh, vous avez eu ça en qui, GTP, là, les deux culs. Maintenant, faisons un petit récap géographique. C'est bien connu, the French advantage is la diversité des climats du pays. Qui dit climat, dit sol et cultivation. En gros, on peut faire pousser beaucoup de choses différentes sur nos terres. Et si tu mêles un petit peu le savoir-faire brassicole et distillatoire, on se retrouve avec l'un des pays clés de la production mondiale de vin, de bière, de spiritueux. Du coup, on n'est pas les derniers à se resservir à ce sujet, voilà. Il dit quoi déjà le slogan ? Nos régions du talent, ma gueule, elle est trop beau. Rien qu'en parlant de vin, c'est simple, on a les meilleurs du monde et aussi les plus chers. Le Bordelais, la région Champagne et bien sûr la Bourgogne sont mondialement connus pour leur production. Par ailleurs, les climats du vignoble de Bourgogne sont même entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO et dans ces régions, les vignes sont même devenues des attractions touristiques. Et ça marche plutôt bien, je crois, de ce que m'en disent des camarades locaux qui produisent. J'en ai pas. Non, j'ai pas d'amis. Pour revenir un petit peu sur la Bourgogne, voilà, c'est des visites de domaines, des dégustations, des ventes aux enchères, des soirées mondaines et routes des vins. C'est un véritable art de vivre à la française qui est recherché. Ensuite, place aux apéritifs, liqueurs et digestifs. Et on en a clairement pour les comtés, voilà. Une petite liste peut-être. On a le sud-est pour le pastis, les Alpes pour la chartreuse, la Gascogne excelle dans l'Armagnac, le cognac doit sa renommée à la Charente, etc. Sans oublier, évidemment, ne vous énervez pas, la Bretagne, qui porte une culture brassicole très influente, ou même le délicieux rhum réunionnais, martiniquais, tout ça, big up aux frérots. Au bout du compte, c'est pas si étonnant, en cumulant les aspects religieux et agricoles, qu'on finisse toujours entre le top 10 et le top 20 des plus gros consommateurs d'alcool au monde, même si, en vrai, une seconde, je ferme la bouteille. Ce classement, c'est un peu patchak, hein. On y est peut-être très haut, mais il s'agit d'une mesure dite en alcool pur. Voilà, en fonction de l'alcool vedette dans certains pays. Bon, ben certains nous foutent droit parce qu'ils prennent nos doses de vin en vodka, même s'il n'y a pas de quoi être fier. Mais on reviendra plus tard sur cette notion de mesure qui est très importante et surtout méconnue par beaucoup. Oui. Pour l'heure, finissons ce chapitre avec le troisième membre de la Sainte Trinité. Et pas Trinity parce que ça fait trop fort, je refais la prise. De la gueule de bois, la médecine. Je sais pas où, mais là d'où je viens, dès que t'es malade, le remède de grand-mère, c'est bois un coup, ça ira mieux. Pourquoi pas ? T'as la gastro, enfile-toi un Ricard. Ça décoiffe, hein. Une petite grippe, café ouvert de Sky. Réduis pas la culture à fret de Sky. Et alors qu'on pourrait croire que ce sont seulement des remèdes de famille, voilà, qui sont nés de du lavoir du village d'à côté. Bon merde, ceux qui sont pas de la campagne, ils vont rien comprendre à cette référence, c'est pas grave. Sachez que c'est surtout parce qu'il fut un temps où les médecins eux-mêmes ordonnaient à leurs patients de picoler. Ça part de là tout ça. Que ce soit pour des effets anxiolytiques, antalgiques, pour améliorer la digestion, favoriser la circulation sanguine, lutter contre les vers, prévenir des maladies cardiaques. Oui, pourquoi pas, oui. Bon, tous les conseils n'étaient pas à jeter, mais ce marketing de la guérison par l'alcool a un petit peu oublié de doser en fait. On nous a laissé croire que plus tu bois, mieux ça ira. Or non,
Plus tu bois, plus tu es dépendant, plus tu es déshydraté, plus tu t'exposes à certains cancers et maladies de certains organes, à des tumeurs, à des cirrhoses, à des troubles mentaux importants et à toutes les comorbidités liées à l'addiction, par exemple l'anxiété et ou la dépression. Mais cette histoire, ça rapportait tellement de sous que, évidemment, on a conçu certains alcools comme des médicaments, combinaison, tout le monde en rêvait, et on les a vendus exprès pour leurs vertus médicinales dès cette époque. Voilà, c'est le cas par exemple du Jägermeister allemand et de sa composition secrète aux 56 plantes, de la chartreuse, du vermouth italien, du rhum ou encore de l'aquavit scandinave. Et ouais, avant que ces derniers là percent et qu'ils deviennent mainstream, eh bien c'était d'autres remèdes alcoolisés, pour beaucoup à base de plantes et d'épices. Donc voilà, les gens n'y voyaient pas le problème, c'était ce qui poussait dans leur jardin et qui était censé aider à la digestion, à guérir des maux comme le scorbut chez les marins, à stimuler l'appétit. Bref, c'est une liste non exhaustive d'une médecine curative un peu douteuse. Et même quand elle a voulu combattre l'alcoolisme, la médecine n'a pas toujours été très lucide. Regardez attentivement cette affiche de campagne anti-alcoolisme des années 1900. Elle était placardée dans les écoles et les casernes. La sémiologie de cette plaquette est fascinante, on pourrait en parler 45 minutes, mais non, parce que c'est déjà la durée de la vidéo, ça fait très infernal. Donc, disons simplement qu'on comprend qu'il y aurait apparemment deux catégories d'alcool, le bon alcool et le mauvais alcool. Ah bon, ok. Pour la première catégorie, elle comporte des alcools fabriqués à partir de fruits qui poussent dans de beaux arbres verts comme la pomme et la poire. On y classe aussi le raisin et l'orge. Car influencé par les symboles religieux, voilà, la médecine ne va pas quand même aller condamner le vin du Christ ou blâmer la bière à cette époque encore produite dans les monastères. Ceci explique cela. Pour la deuxième catégorie, donc les mauvaises boissons, celles qui rendraient alcooliques, faites place aux alcools issus des récoltes de la terre avec des légumes bien moches et crades. Là, regardez-moi ça, putain, comme la pomme de terre, le grain ou la betterave, qui pour je ne sais quelle raison sont décrétées industrielles. Ok, bon. C'était les prémices de l'usine Renault, ma foi. Et là, c'est vraiment du bonus, genre j'ai poussé un petit peu les recherches là-dessus, mais vous remarquerez que tous ces mauvais alcools issus de certaines plantations, eh bien, sont bizarrement très cultivés, et même des alcools phares dans les pays chrétiens orthodoxes. Je dis ça, j'y rien. Bon, pour finir avec cette plaquette, vous remarquerez que si on lit entre les petites lignes, quoi qu'il en soit, peu importe, que ce soit de l'ivresse sous vin, sous alcool de patate, t'étais mal barré. Et si on t'attrapait au bout de la quatrième fois, c'est simple, on t'exécutait, voilà. Quatrième étape, on arrive à l'acte final. C'était pas des lol la Troisième République. Ok, conclusion de ce chapitre 1. On se retrouve donc avec trois domaines très importants qui ont durablement influencé notre perception et notre consommation d'alcool à travers les âges. La religion, la production et la médecine. Mais qu'en est-il de nos influences modernes et actuelles? On a parlé de la façon dont l'alcool était intégré et valorisé par la société, mais pas encore de la façon dont il a été raconté. On a évoqué les orgies romaines, relatées par les auteurs antiques comme Tite Live, mais on trouve aussi de nombreux tableaux, chants et romans qui mettent en scène la boisson avant notre époque. Et tant qu'on parle des œuvres, Dieu sait que les grands auteurs français comme européens n'étaient pas les derniers à se coller une petite absinthe, voilà. Cut. L'absinthe. Considérez d'ailleurs qu'une bonne partie des classiques que vous avez étudiés à l'école ont probablement été écrits avec un coup dans le nez. Bon voilà, on a compris, ça, c'était avant. Maintenant, combien de classiques du cinéma post-80 ne possèdent aucune fucking scène sans verre d'alcool? Pas beaucoup, hein. En réalité, on estime à 90% le nombre de films qui mettent en scène une consommation d'alcool. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est pas fini, 43% des personnages qui en consomment sont perçus comme attractifs et valorisés. Selon une autre étude dont la source sera en description, voilà, après je me débarrasse de tout ça, le lien clair, net et précis entre l'exposition à l'alcool dans les médias et la consommation chez les adolescents a même déjà été établi sur un échantillon de 38 000 personnes. Taxi Driver, Heat, The Shining, Scarface, Fight Club ou encore Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Corrida, longue est la liste des films qui se servent de la boisson à des fins scénaristiques. Oui, notre société n'a pas attendu le cinéma pour se prendre des cuites, mais la fiction a donné un nouveau souffle à sa banalisation et à son association slash utilisation dans toutes les situations. Et bien souvent, lorsque l'on nous montre l'éthanol à l'écran, il est soit une marque de pouvoir, soit une solution pour le héros et une preuve de force mentale. Dans Taxi Driver, on fait la connaissance de Travis. Médicaments et alcool nourrissent ce vétéran de guerre qui cherche désespérément un nouveau sens à sa vie. Dans Breaking Bad, l'alcool accompagne nos protagonistes de plus en plus criminels dans leurs moments de décompression face à des responsabilités hors du commun au quotidien.
L'impitoyable Frank Underwood dans House of Cards voit quant à lui son charisme et sa fourberie amplifiés par des scènes fortes où il sirote tranquillement un whisky. Michael Corleone, interprété par Al Pacino dans Le Parrain, est lui aussi présenté comme un stratège, un calculateur calme, gorgé d'aisance. Tandis que le discret Bruce Wayne suit la marche en soirée mondaine pour maintenir sa façade de milliardaire insouciant. Bien le bonsoir, là, tes plaisances. On peut dire que l'art n'est là que pour refléter la réalité. Si la société indique que l'alcool est un marqueur de pouvoir, c'est normal que le cinéma le représente ainsi. Ok, soit. Cependant, il est étrange que cela ne semble avoir aucune conséquence, ou presque, sur leur vie. Prenons un exemple, tiens, qui va parler à mes fans de rap. Tony Montana. Tony est dans l'excès total, c'est un anti-héros absolu. Mais ses pétages de plomb réveillent chez nous des démons profonds, des rêveries malsaines et une certaine admiration pour les qualités de ce héros détestable qui est un symbole à la fois de réussite, de persévérance, de folie et de banditisme. You got Frogman? Le film étant bien écrit, on finit par développer une compassion pour Tony. On se croirait pas sur Chronique Fiction là ? Alors quand Tony boit, on veut boire avec lui. C'est presque un exemple à suivre pour marcher dans les traces de ce trafiquant névrosé qui a l'air si putain de cool. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la romantisation. C'est-à-dire le fait de donner un caractère idéalisé, romantique, à quelque chose. On peut aussi évoquer une référence un peu plus super-héroïque, le personnage alcoolique de Tony Stark. Une vraie sensibilisation est faite à ce sujet autour de notre Avengers préféré. Mais à travers les divers opus, l'alcool est rendu omniprésent sans qu'on observe explicitement les dégâts réalistes de cette maladie. Les projecteurs sont tournés sur cet homme rempli de succès, de qualité incroyable, de force et d'argent qui, pour toutes ces raisons, pourrait bien se mettre à boire pour l'aider à gérer tout ça. On associe encore une fois donc réussite avec alcool, même s'il y a un prisme de l'alcoolisme. Un homme fort est donc un homme qui boit pour beaucoup de héros du cinéma. Ok, on a parlé des hommes, mais venez, on parle aussi des femmes parce que leur traitement à l'image est assez différent et suit divers archétypes. D'abord, on a le verre entre copines. Celui-là a été bien exploité par une série pourtant voulue très féministe pour l'époque, j'ai nommé Sex and the City. Beaucoup de discussions, d'objectifs de vie, de tracas, voire de traumas émotionnels, des héroïnes tournent autour de leur relation aux hommes. Et en gros, dès qu'elles ont un petit souci dans leur vie, les scénaristes les envoient picoler. Même scénario dans Desperate Housewives. Regardez le nombre de verres de vin et de margarita que les personnages s'enfilent juste comme ça, l'air de rien, pour un oui et pour un non, juste parce que ça les occupe, et qui banalisent complètement, encore une fois, la consommation, sans même que l'on s'en rende compte. Dans le journal de Bridget Jones, la boisson accompagne Bridget dans tous ses désespoirs. Si l'on en suit ce schéma, les femmes boiraient donc pour surmonter leurs échecs amoureux, le stress de la vie, pour échapper à leurs problèmes de cœur. En bref, on est loin de l'image du dur à cuire qui boit pour négocier avec charisme. Pour le second archétype, c'est celui des femmes de pouvoir. Alors que je viens de presque dire l'inverse il y a quelques instants, vous allez voir que, pour les rares exceptions, peut-être vous allez vous dire « Ouais, c'est comme les mecs ». Non. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes de pouvoir ne se contentent pas de rentrer ivres avec leurs collègues ou de reposer leur verre de zinc comme ça là, sur le comptoir d'un bar avec un air mystérieux et désabusé. Non. Elles morflent. Amour. On a évidemment un lot de badass bitch qui savent tenir le verre et qui sont construits comme des personnages masculins. Je pense à Carmela Soprano, Olivia Pope dans Scandale, qui porte l'alcool comme un symbole d'autorité et de charme. On pourrait aussi citer Jessica Jones, constamment en train de boire, mais jamais rebou. Mais globalement, on aborde l'alcoolisme de manière plus frontale chez les femmes que chez les hommes. Les hommes. Brie Van de Kamp dans The Age est une femme autoritaire, dure et en contrôle permanent. Sa descente aux enfers passera par l'alcool et ne l'épargne pas en scène de malaise, en ridicule et documente une véritable souffrance, ainsi que son parcours chez les alcooliques anonymes, sa rechute, etc. Un symbole bien plus violent, mais bien plus réaliste. Annalise Keating dans Murder est un personnage qui paraît insubmersible. Manipulatrice, brillante, elle sombre pourtant dans l'alcool, à ne plus pouvoir quitter son lit et à ne plus être capable de tenir une audience tremblante sans sa fiole de vodka. Vous avez certainement vu Le jeu de la dame. Elizabeth, l'héroïne, froide, calculatrice et assez asociale, combat son anxiété par, encore une fois, la boisson et la drogue, et on en voit directement les effets sur son jeu et sa vie quotidienne de façon dramatique. Enfin, voilà, je vais pas vous faire 500 films non plus, mais si l'art imite la réalité, il a aussi été prouvé que la réalité est influencée par lui et que cette surexposition de l'alcool dans les œuvres de fiction avait un impact direct sur notre consommation et sur notre perception de la boisson comme globalement cool et valorisante.
Pour l'illustrer, on peut terminer ce chapitre cinéma par un petit tour rapide sur les breuvages, voilà, qui sont devenus connus directement grâce à des films et qui sont devenus des symboles de pop culture. La piña colada, mon petit péché mignon, le martini de James Bond, le cosmopolitain de Sex and the City, le cocktail tant chéri de Carrie Bradshaw, mais encore le classique Moscow Mule. Allez, une petite blagounette de Johnny English à ce sujet. And I'll have a London lemming. I'm not sure. It's gin, vodka, sherry, a little bit of parmesan. La liste est longue. On pourrait aussi parler du daiquiri, supplément banane, attention, hein, dans le deuxième volet du parrain, du White Russian qui accompagne le protagoniste dans The Big Lebowski. Mais puisqu'on parle de branding, je vais m'arrêter là. Et je vais laisser la place aux collègues experts en la matière, aka Jano, pour nous parler de quelques coups de com', cette fois-ci dans la publicité directe, qui ont foudroyé les ventes de certaines marques, pour le meilleur comme pour le pire. Merci TP pour cette petite introduction. Effectivement, le fait d'ajouter de l'alcool dans des films est une manière très subtile d'en faire la promotion. Et c'est la même chose d'ailleurs qu'on peut voir dans différents clips musicaux, et surtout dans le rap hein, d'ailleurs. Et en parlant de stratégie marketing, vous allez voir qu'il y en a pas mal d'entre elles qui sont quand même assez controversées. Par exemple, en 2013, Heineken a lancé sa campagne Road to the Finals, qui est une publicité qui est apparue à la mi-temps de quart de finale jouée le soir entre le PSG et le FC Barcelone, et entre Bayern Munich et la Juventus de Turin. Et donc la pub va mettre en action un fan de football, qui est d'ailleurs joué par le batteur du groupe Reef, donc Dominique Greensmith, qui joue un peu la course contre la montre pour essayer d'atteindre le stade de Wembley, qui est donc le lieu de la finale de la Ligue des Champions cette année 2012-2013. Évidemment, il va y avoir plein de problèmes sur la route, mais il va réussir à surmonter ses épreuves au fur et à mesure. Donc ici, vous l'avez compris, le but c'est d'associer la bière Heineken au courage, ce qui est littéralement la définition de ce qu'on appelle le branding, c'est-à-dire prendre une marque et l'associer à des valeurs ou à une image. Comme ici, bah, la volonté, le courage, le héroïsme qui va être associé à la marque Heineken. Alors que je vous rappelle qu'on parle quand même d'une marque de bière à un événement sportif, donc c'est pas une révolution si je dis que l'idéal quand même après une séance de sport, c'est plutôt d'aller s'hydrater plutôt que d'aller s'enfiler 2-3 bières de Heineken, qui on le sait tous, bah, nous déshydrate. Mais justement, en associant le produit à des valeurs plutôt positives, on arrive à changer la psychologie des gens et surtout l'image de Heineken auprès de ces gens-là. Autre exemple assez intéressant, dans la campagne de pub de The Most Interesting Man of the World, de Dos Equis, qui est une marque de bière mexicaine, d'ailleurs désolé pour mon accent, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui va donc mettre en lumière l'homme le plus intéressant au monde, incarné par Jonathan Goldsmith. Alors du coup, la campagne est plutôt stylée vu qu'ils vont jouer un peu sur le ton de l'humour, et faut être honnête, Jonathan a quand même la seule là. Opportunity knocks, and he's not home. Opportunity waits. Donc vous l'avez compris, ils ont tenté le délire un peu de Chuck Norris, et la campagne a tellement bien marché qu'elle s'est transformée en mème par la suite, que vous avez d'ailleurs sûrement dû voir sur internet. Mais bon, au-delà d'avoir fait un mème sur internet, ce qui est plus intéressant, c'est que la pub a quand même généré 34% de ventes en plus. Mais ce sur quoi je veux qu'on passe un petit moment, c'est notamment la fin de la publicité avec Jonathan, qui est comme ça, entouré de belles femmes avec un air un peu mystérieux. Et vous l'avez compris encore une fois ici, c'est de créer un lien entre le produit, donc la bière, et entre la séduction, le sex appeal de Jonathan. Ce qui encore une fois est très loin de la réalité. S'il fallait juste boire cette bière pour être mystérieux et avoir ce charisme, bon bah je pense que littéralement tout le monde prendrait ça en soirée. Et une autre campagne qui a eu lieu l'année dernière aux US, mais qui a été très controversée, vous allez voir. Donc dans cette campagne, la marque de bière Bud Light a décidé de s'associer à l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney, sauf que ça n'a pas plu aux consommateurs de la marque vu que c'est principalement des conservateurs américains. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils commencent à boycotter cette marque, avec notamment le hashtag boycott Bud Light qui s'est très vite répandu sur les réseaux, ou encore cette vidéo qui je qualifierais de très américaine, où on a le chanteur très connu qui s'appelle Kid Rock qui détruit littéralement des packs de Bud Light. Let me say something to all you and be as clear and concise as possible. Et du coup, c'est eu un impact très mauvais pour la marque, vu que ses actions en bourse ont été extrêmement dévaluées, au point même où le directeur a fait un communiqué de presse disant, je cite, « Nous n'avons jamais voulu diviser les gens, notre but est de rassembler les gens autour d'une bière. » Et ce qu'on peut retenir ici d'un point de vue marketing, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est qu'encore une fois, l'association donc d'une marque à une personnalité, mais ici vous voyez bien que quand l'influenceur ou la personnalité choisie correspond pas aux valeurs que veut transmettre la marque, ou aux valeurs des consommateurs de la marque, et ben on se retrouve dans une espèce d'énorme contestation. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux comment l'alcool s'inscrit aussi dans un cadre marketing. Je remets maintenant Magneto ATP. Oh le J, attends. Permets-moi de rentrer rapidement là sur ton terrain dans les temps additionnels parce que au moment où je monte la vidéo, le groupe Pernod Ricard a annoncé sponsoriser le PSG. C'est un scandale. Les internautes ou tout simplement Marseillais appellent au boycott. Même moi en tant que Toulousain, j'avoue, faut pas déconner quand même. Ce chapitre me tient particulièrement à cœur parce que vous avez mis le vôtre. Merci pour la confiance. Il y a quelques mois, voilà, je vous ai demandé sur mon nouvel Instagram, Lifestyle, de me parler de votre rapport à l'alcool.
D'ailleurs, allez au Simpolo sur ce second compte, parce que c'est clairement là que tout se passera pour le trois quarts des futurs contenus. C'est là aussi où j'envoie là les posts au naturel, et vous êtes beaucoup apprécié, ça me régale en fait de pouvoir être comme ça avec vous. Voilà, l'ancien gros compte est toujours là, après pas de problème, il est juste strictement désormais réservé à ma facette musicale et aux grosses annonces. Fin de la parenthèse, on reprend les stories, tout ça, je m'attendais pas à recevoir autant de témoignages. Mais finalement, c'est assez logique, il y a des histoires propres à tous. Malgré ça, il y a tout de même des points de départ à vos histoires qui concordent presque tout le temps. Putain, je tourne cette vidéo à la rue de la Concorde, c'est insane. En premier lieu, vous m'avez beaucoup parlé de la pression sociale. Ouais, le point de départ qui revient le plus, c'est celui-là. L'alcoolisme mondain. Depuis votre 5e anniversaire où c'est rigolo de vous faire boire du champagne, en passant par l'apéro du dimanche et le petit whisky devant, comme je le disais tout à l'heure, Automoto. Oui, je sais, je parlais du pastis. Il y avait les deux. Jusqu'au vendredi soir chez les amis des darons pour décompresser de la semaine et prendre un petit apéro parce que... On est nombreux à avoir grandi dans un contexte familial consommateur et à reconnaître, perpétrer ses habitudes par simple mimétisme. Et la boisson est tellement ancrée dans les mœurs que... Lors des moments conviviaux, ceux qui sont regardés de travers, c'est plus souvent les non-consommateurs. Et devant cette pression, ben y en a qui craquent. T'es malade, t'es enceinte, ben alors tu veux pas t'amuser, tu tiens pas ou quoi? Allez, juste un verre! Ta gueule! Ta gueule! Voilà le genre de remarques qu'il est possible encore aujourd'hui de se prendre, et même des fois de la part de certains serveurs qui vous demanderaient presque de vous justifier à pourquoi vous faites le choix de prendre un verre d'eau, de prendre un soft. Et me dites pas que oui, mais maintenant c'est très rare. Ah, je vous jure que pour moi, je traîne partout, c'est très fréquent. Maintenant, demandez à quelqu'un qui tape ce genre de réflexion, qui boit à peu près, aussi on va dire, 2-3 fois par semaine, si il est dépendant. Souvent, il vous répondra que non. Il dira au mieux qu'il a des problèmes d'alcool, parce que, eh ben, quand il boit 2 pintes, en fait, il peut pas s'empêcher d'en boire 10. Il reconnaîtra pas ouvertement qu'il est dans une situation d'addiction. Et encore moins qu'il en fait la promotion de manière consciente ou inconsciente. Parce qu'à l'instar des bons et mauvais alcools, se miner avec les copains 3 soirs par semaine, mais c'est pas grave, c'est pour s'amuser. Boire tout seul chez soi, ça c'est être alcoolo. On a l'impression d'un deux poids, deux mesures. Merci à toutes les personnes qui ne prononcent pas ce genre de phrase. Et félicitations à aussi celles qui, justement, avec le temps, arrivent à prendre conscience de pourquoi ils ont choisi l'alcool dans tel ou tel contexte comme option et sont parvenus à réfléchir à une alternative saine ou même à diminuer leur consommation. Personnellement, d'un cercle de potes à l'autre, je constate des différences de fou dans la prise de conscience des uns et des autres, surtout quand c'est des cercles en ville, en campagne. Au même âge, certains sont encore dans un déni constant. Là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de vidéo. Tandis que d'autres ont fait un sacré bout de chemin. Et c'est normal en soi que ça prenne du temps et que ça soit pas si simple. Parce que comme en parle très bien Jérémy Ferrari dans un podcast... Quand ta zone de récompense se met en route, elle annihile les autres parties. Quand on te dit « Ah, mais c'est qu'un problème de volonté », ben non, parce que ça fait partie de la maladie. C'est pour ça que c'est une maladie. À ce moment-là, cette zone-là, si tu veux, le cerveau devient fou, en fait. Il n'y a plus que ça qui L'outil compte. Qui te permet de raisonner ne raisonne plus. Et d'un autre côté, il y a quand même une volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu es malade, à partir du moment où tu as pris conscience que tu as ce problème, il faut quand même la volonté de dire, bah, il faut arrêter de boire. Et il faut se sevrer et il faut travailler. Fête, alcool, sevrage, Jérémy Ferrari chez Kian Kojandi, ça m'a donné une idée de scénario tout ça. Bref, il boit plus d'alcool. Voilà, ce soir c'est l'anniversaire de Max, la soirée où tu rentres bien tard ou pas du tout. Quand il a demandé, qui ramène quoi? J'ai eu les réponses habituelles. Moi, je ramène un Jaeger et 2 Crazy. Nous, on prend du Captain avec du Coca. Sarah, sa meuf m'a dit. Marceau, tu ramènes quoi, toi? J'ai répondu. Bah les gars, moi, iced tea, pizza, carottes et fromage frais, je pense. Elle m'a répondu. T'es con. Vas-y, c'est noté. Mais du coup, tu vas même pas boire un petit verre pour la nuit de Max. J'ai mis un pouce. Bon, parfois, t'as ceux qui ont passé la trentaine. Eux, ils ramènent des toasts, salade de riz, du melon, un beau gâteau aux herbes provençales. Pour le début des hostilités, mes potes ont sorti des jeux d'alcool. Yann m'a dit. Hey, Marceau, tu joues? J'ai répondu. Vas-y, je suis chaud. Ouais, je reste au coca, moi, les gars. Julie a rajouté. Ouais, mais t'es sûr que t'es là pour t'amuser? J'ai remis un pouce. Sur la piste de danse, les gens dansaient. Et moi aussi. Drozo m'a dit. Hey, mec, tu devrais goûter, je t'ai préparé un truc. Non, j'ai répondu. Non, frère, je vois plus d'alcool, moi. Bah, mais va proposer, va leur proposer. Ah, bah t'as raison. Vas-y, mon gars, vas-y. Un peu plus tard, Iris est arrivé. Marlène lui a ouvert. Iris, c'est mon crush du lycée. Vas-y, là, c'est mon moment. Sarah pop de nulle part devant moi et me dit. J'ai répondu. S'il te plaît, Sarah, deux. Iris est parti. En fait, c'est Pépé Iris. J'avais mangé trop le gâteau. Je parlais avec Paolo et Sarah m'a dit. Oh les gars, faut aller, il a vraiment besoin d'argent.
Il va pas bien ? Et là, elle a carrément gerbé à côté de moi. Du coup, j'ai répondu. Bon, je vais aller moi. Hein. Vas-y, toi. Le lendemain, c'était journée crâne à Y pour tout le monde, sauf moi. Doug m'a dit... Oh, Marceau. Et merci pour hier soir, mec. Hein. Bah, t'inquiète, normal. Hein. T'as géré, gros. J'étais trop dans le mal. J'ai répondu. Franchement, c'est normal. C'est pour nous le gâteau, là ? Ouais, manger de ouf. Puis. Moi, je vais vous laisser. Vas-y. Et après. Buvez de l'eau, prends soin de toi. Ouais, carrément, parce que ouais, parce que c'est chaud, là. Ouais. Voilà. Je bois plus d'alcool, mais je passe toujours des soirées mémorables. Et oui, je différencie le milieu social de la pression sociale. La pression sociale, elle est partout, elle vous met la pression directement pour boire. Le milieu social, quant à lui, représente une forme de pression un peu plus fourbe, sournoise, vicieuse. Vous allez comprendre. L'un d'entre vous m'a littéralement sorti, études et alcool, ça va ensemble. Et ouah, bah c'est vrai. Je me rappelle de mes cursus post-bac où ça enchaînait les soirées d'appart en début d'année, tu sais, avec les parrains, marraines et tout, là. C'était un rituel pour apprendre à se connaître, en fait, ce genre de truc-là. Mais surtout, ça tournait beaucoup autour de l'alcool. Et celui qui n'y était pas serait d'office exclu des groupes cool et défavorisés socialement pour l'année, directement ou indirectement. Car c'est parfois un mode d'intégration avoué, assumé. Je pense aussi au bizutage, au faluchard, voilà, ce genre de choses. Piccolo app, action vérité, ça y est, tout ça quoi. De ce que j'ai compris de vos messages, beaucoup d'entre vous ont peur aussi de ne pas en fait profiter des moments de fête sans alcool, auraient l'impression de passer à côté de leur soirée s'ils sont les seuls à ne pas consommer, que tout le monde est dans un mood et que toi t'es à part, voilà. Et que indirectement aussi, tu deviennes le vilain petit canard. Alors, j'irai même plus loin. Certains milieux sociaux ont directement pour code la consommation d'alcool, ça s'est avéré, et malheureusement c'est très difficile d'y être intégré sans céder à la tentation. Le milieu musical, par exemple, qui me touche. Frérot, ça te parle tout le temps de rendez-vous, de rencontres, de business, de parler de ci et ça, autour d'un verre. Et comme souvent les artistes et les orgas ont open bar, ben voilà, ils ne paient pas leur consommation, en fait, il n'y a aucune barrière. Et pour beaucoup aussi, c'est devenu en fait une habitude, parce que c'est super compliqué de travailler dans la culture ou l'événementiel avec les pressions, les horaires décalés et les nuits très 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 courtes, puisque de toute manière, c'est la nuit, tout ça, que ça se passe. Donc ben voilà, ça utilise l'éthanol pour booster un petit coup, quoi. Maintenant, ce problème-là, il va pas toucher que ces gens-là que j'ai cités, mais aussi le public, parce que quand tu sors en show, qu'est-ce qui se passe? T'as l'artiste et t'as le bar. Quand l'artiste ne joue plus, c'est le moment où il va falloir aller boire un petit coup parce qu'il fait très chaud dans la pièce. Surtout si tu sors d'un concert de Antes et Mazes, tu vois. Putain, j'ai mal à la tête. La chaleur te donne envie d'une pinte, on te paye un coup, tu le renvoies, du coup au final t'en as bu deux. Et bah, c'est un petit peu les deux options de divertissement aussi. Hein. C'est rare qu'on voit un concert avec des auto-tamponneuses. Attends, je me note le concept là parce que... Il y a une chose à ne pas oublier aussi, c'est le prix des softs qui sont hyper gonflés et c'est fait exprès. J'ai déjà entendu moi des chefs de salle me dire « Ouais, le coca, tu vas le monter à 4€, 5€ le verre de truc de merde là, juste pour pousser les gens à aller consommer en fait pour 3€ de plus de l'alcool. » Et moi, face à ces prix-là, évidemment, j'ai déjà cédé, j'ai déjà fait, mais je sais que je sais m'arrêter, mais il y en a plein, c'est pas le cas. Du coup, en fait, ils vont tendre la perche, c'est salaud. Je vais faire une petite parenthèse qui est bien plus personnelle, voilà, vous avez remarqué que je bois beaucoup d'eau. Et quand je sors, justement, je demande pas mal de verres. Alors, t'as les établissements qui vont te vendre la bouteille, ils vont te dire oui, non, donne pas de verre d'eau, je te vends la bouteille, je te recharge. Ça vaut 4€, ça y est, ils ont pété leur tête. Et après, t'as les bars. Les bars qui sont beaucoup plus sympathiques, hein, mais par contre, ok, ils te font pas payer le verre d'eau, mais ils te font bien comprendre que tu les emmerdes. Attends, c'est quand? C'était le 22 avril 2024, là. Ouais, je vous dis, ça fait des mois que je suis sur la vidéo. Attends, j'ai pris une photo d'ailleurs pour justement la mettre à l'écran. Le mec lui dit un verre d'eau pour commencer. Tu vois pas qui me sort? Ok, décevant. Mais faut laisser enculer à un moment donné aussi, là. Le milieu de la nuit maintenant. Ah, encore pire! Ah ouais? Là où il fut un temps, on sortait en club pour se réunir et s'amuser, voilà, après 3h du matin, flemme d'aller à l'appart, c'est pas chez qui. Aujourd'hui, tu rentres nulle part sans devoir payer minimum 12 balles. Alors oui, c'est l'entrée, mais t'as aussi une conso avec, au pire, tu vois, du coup, en fait, en soi, tu payes que ta conso. Ouais, autrement dit, en fait, on te force à aller prendre le premier verre, quoi. Et pour ceux qui savent pas s'arrêter, ben, c'est clairement tenter le diable. Mais le pire, c'est pas ça. C'est ceux qui vont carrément aller faire la promotion de leurs événements à base de gains d'alcool. C'est par exemple ce qu'a fait en mai dernier une boîte du nord-est toulousain que l'on nommera Au Carnage, hein, voilà, pour leurs innombrables casseroles qui se trimballent. Je vous laisse voir la vidéo. À cette soirée, il y aura des défis et si tu les réalises, eh ben, tu auras de l'alcool gratuit. Franchement, encore une fois, on te met bien. Et en plus de ça, tu pourras choisir ton équipe soit verte, soit rouge afin de vous affronter et gagner encore plus d'alcool. On se retrouve ensuite samedi pour la soirée
pour faire la fête ensemble et bien sûr boire comme des trous. Et... juste pour l'info, l'article L3323-2 du Code de la Santé publique n'autorise la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées seulement dans de très rares cas. Évidemment, les établissements à débit de boissons tels que notre cher Au Carnage ne sont pas concernés et l'autorisation professionnelle de la publicité précise et recommande qu'aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d'exploit, d'audace, bref, on est en plein dedans. Après, vous me direz, la légalité, il y en a qui sont plus à ça après, quand t'apprends que c'est des passoires à mineurs dans ces établissements là. Ah ouais, quand t'apprends ça, t'y reviens pas. Allez, on revient un petit peu. En France, on a cette culture de la terrasse et du bar qui sont carrément des lieux de vie fédérateurs. Une réunion rapide, on la fait au bar, un anniversaire, terrasse, un pot de départ, trois pintes au bistrot. Oh, tout le monde, tournée générale offerte par le Pink Floyd là. Un date, le petit bar à cocktail cosy fera l'affaire. Comme l'impression qu'on a perdu l'habitude de se réunir autrement, dans des lieux différents et beaucoup plus stimulants. Je sais pas, pourquoi pas réinvestir les billards, les bowling, les cinémas, les salons de thé, etc. Aller faire un tour à la campagne aussi là. La troisième raison que j'ai identifiée grâce à vos messages est liée à votre confiance et votre estime de vous-même. L'alcool aide à faire des rencontres. Pas seulement parce que c'est un prétexte pour sortir et aller rencontrer des gens, mais parce qu'il désinhibe. On dirait que je suis en train de chier là, non? Je sais pas. Oh, les montages qu'il va y avoir. Avec Mao qui m'a aidé à la réécriture de ce documentaire, on va vous donner un exemple concret. Les troubles anxieux touchent environ 15 à 20% de la population française au moins une fois au cours de leur vie. Et pour toute cette tranche de population, l'alcool, qui a un effet anxiolytique au moment de sa consommation, représente une porte de sortie lors d'événements stressants. C'est le petit coup pour se donner le courage, quoi. La bière avant la guerre pour sortir de la timidité, pour affronter un tas de nouvelles personnes en mode « Ah, mais trop de gens !» Moi, comme je suis déjà fou, en vrai, pas besoin. C'est Maxime Muscat d'ailleurs qui parlait beaucoup de ça justement dans sa vidéo sur les symptômes handicapants qui sont diminués, sur l'anxiété, quoi, tout ça, ben, avec le petit verre, on y allait, quoi. Tout ça m'amène à vous poser une question, je sais pas si certains répondront en commentaire, mais combien d'entre vous n'arrivent pas ou plus naturellement, pour X raisons, donc sans alcool, adresser la parole à quelqu'un qui les intéresse, à prendre le pas dans un groupe de discussion, à aller voir et entamer un lien verbal avec un inconnu, ou simplement à s'amuser ouvertement et danser délibérément dans l'espace. J'ai beaucoup de connaissances dans ce cas-là. Pour certains, toutes ces actions sont difficiles, voire impossibles en état de sobriété. L'alcool représente alors un boost de confiance en soi, une levée de barrières anxieuses et une façon de ne plus ressentir ses peurs et ses angoisses. Dans ce cas, il est presque utilisé comme un médicament, hein, une auto-médicamentation qui peut cependant vite tourner vers l'addiction. Donc faites attention quand même. Attention parce que après l'effet anxiolytique qui va permettre de faire tout ça, de soulever des... Elle est trop lourde, vient l'effet dépresseur de l'alcool. Les hormones devant se remettre à niveau, le lendemain, ça va être quelque chose. Ça va contrebalancer tout ça, vous allez vous reprendre une énorme vague d'anxiété dans la tronche. Et potentiellement donc recommencer le soir même à consommer pour retraiter cette angoisse. Voilà, l'engrenage est relativement dangereux. Très dangereux. La quatrième et dernière raison de cette liste, évidemment non exhaustive, mais va bien falloir s'arrêter à un moment donné, et que vos réponses m'ont grandement aidé à construire, c'est la gestion des émotions négatives. L'anxiété est une chose, mais la colère, la tristesse ou la solitude en sont d'autres, et mérite qu'on s'y attarde. Vous avez remarqué comment votre collègue a tendance à vouloir aller boire un verre après chaque mauvaise journée? Comment cet ami a envie de se mettre une caisse après avoir reçu un email important? Pour fêter si c'est positif et pour se consoler si c'est négatif, bref, quoi qu'il en soit, ça finit au bar. Comment certaines personnes, après leur rupture amoureuse, ont une certaine fréquentation qui s'accentue, des bars, des boîtes. Le pire étant évidemment cette personne qui se sent trop seule et qui ne veut pas se retrouver confrontée à elle-même le temps d'une soirée sans boire un verre, puis deux, puis trois, pour simplement supporter un quotidien triste et dépressif. Et évidemment, on n'oublie pas aussi nos amis à qui il arrive des événements tragiques, traumatisants, qui vont changer leur vie à jamais, qu'on a peut-être observé, sombré dedans, ne sortant plus que pour se mettre minable. Et bien tout ça là, ce que j'énumère depuis tout à l'heure, ça rentre aussi dans l'auto-médicamentation, et on touche là au cœur de ce qui fait l'alcoolisme profond. C'est une fuite en avant de ces émotions négatives et d'une incapacité à gérer l'inconfort qu'elle provoque. Cela peut être à cause d'un trouble neurologique, comme par exemple le TDAH, ou de troubles mentaux, de traumatismes qui prédisposent un individu aux addictions, mais cela peut aussi toucher n'importe qui n'a pas appris à gérer sa colère ou sa tristesse de manière saine et sans autodestruction.
Eh oui, on retombe sur nos pattes. Si vous sortez trois fois par semaine pour faire la fête, pour décompresser, pour vous amuser, c'est une manière excessive de gérer un quotidien qui vous apporte du négatif. Vous vivez du négatif dans le négatif. La leçon à en tirer, c'est qu'il faut évidemment pas diaboliser toutes les consommations. Il faut juste peut-être, pourquoi pas, s'avouer à soi-même qu'on a parfois besoin d'un soutien ou d'une béquille. Demandez-vous régulièrement, est-ce que je serais capable de passer cette soirée sobre? Est-ce que dans cette situation, il m'est si difficile de peut-être essayer de pas consommer? Est-ce que je peux gérer une telle émotion sans alcool? Si vous ne pouvez plus passer une soirée entre amis, un anniversaire, un afterwork, une rupture amoureuse, sans passer obligatoirement par la case gin tonic, Captain Coca, rhum, vodka Red Bull, eh bien oui, votre consommation est très certainement problématique et on vous souhaite d'arriver à identifier la raison pour prendre soin de vous. Allez, on va se finir la vidéo sur une note un peu plus légère. Je crois qu'il est temps de vous révéler les résultats de la boîte à questions. Quel est votre alcool préféré? Ça y est, TP se met à faire des tops lui aussi. À l'époque, sur 600 vues story à peu près, il y a eu 103 réponses mentionnant 8 softs et 27 alcools différents. Bon, vous voyez le type de communauté que j'ai. Le top 3 est pour la vodka, 5,8% des votes à égalité avec le whisky, tous deux mélangés avec le Red Bull ou le Coca. La deuxième place était pour la bière avec 9,7% des voix. Et celui qui est arrivé au top, c'est le rhum avec 16,5% des voix. Voilà, arrangé, ambré, avec du coca, en cocktail. Bon, pour les softs, il n'y a pas grand chose. Attendez, je vais reposer la bouteille. Voilà, en top 3, on avait la Virgin Pina Colada. Top 2, un petit peu tous les jus de fruits. Et top 1, l'eau. Et ouais, l'équipe. Team O ici. Même si des fois, team tout en vrai. Bon, franchement, après, la liste, je vous la fais pas parce que ça a été cité qu'une fois. Par contre, ça peut passer. N'oublions pas, effectivement, la tépaisance que t'aimes un cocktail. Mais en vrai, tu peux le demander sans alcool. Très souvent, ils le font aussi. Ça n'a pas le même goût. Voilà, j'ai encore quelques mots importants à dire avant de clôturer cette longue vidéo. Déjà, je n'ai pas voulu faire une lecture de témoignages précis, mais je tiens à vous dire encore une fois merci parce que je suis fier d'avoir un tas de gens qui me suivent comme ça, autant lucides qu'engagés sur un sujet qui les touche parfois très 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 personnellement. Le travail d'introspection est franchement honorable. Vous semblez précisément savoir pourquoi vous consommez ou pas, quels sont vos points forts et points faibles face à la boisson, quelle posture aussi vous devez avoir par rapport aux autres, les éléments qui pourraient vous rendre sobre si vous le pouviez, et surtout vers qui diriger ces colères, celles de l'addiction ou même celles qui est enfouie au fond de vous et que vous essayez de réparer par l'alcool quoi. Vu comment le vent souffle, je ne crois pas à une société qui dans le futur continuera à blâmer autant sans essayer de les comprendre ceux qui boivent et qui souffrent d'une réelle maladie. D'ailleurs ben, j'espère que cette vidéo aidera beaucoup peut-être à se remettre en question à ce sujet. Ni à une société qui méprise ceux qui ne boivent pas, et ça le vaut pour vous aussi, les méprisants. Non, je veux croire qu'on peut simplement évoluer avec une vision des choses plus nuancée, avec une empathie, une conscience des tenants et des aboutissants de la consommation, des raisons et des conséquences qu'il y a derrière. Bon, par contre, soyons honnêtes deux secondes, la simple prévention ne va pas suffire pour ça. Ouais, arrêtez de critiquer ceux qui... Non, mais ouais, mais... Va peut-être falloir commencer à envisager d'accompagner les gens différemment et pas seulement par des cachetons une fois qu'il sera trop tard. Beaucoup n'ont parfois besoin que d'être dissuadés de consommer ou écoutés à ce sujet. Et justement, parlons de mes visites au sein de certains groupes des alcooliques anonymes de Toulouse. C'est l'occasion parfaite. C'est les réunions lumineuses, avec du thé, du café, des bonbons, c'est très convivial quoi. Bah, sauf que là, tu te livres à tour de rôle, autant que tu le veux. Si t'as pas envie aussi, tu peux ne pas le faire, tu peux juste écouter les gens sur ton état de personne qui cohabite avec la maladie. Tu peux parler de comment s'est passée ta semaine, si t'as eu des moments très compliqués ou justement au contraire euphoriques, des moments avec trop d'émotions que peut-être avant, t'allais gérer en allant consommer de l'alcool. Et tu es écouté par ceux qui peuvent te comprendre parce que tu parles la même langue qu'eux en fait. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans les alcooliques anonymes, c'est ici tu peux leurrer personne, tu peux pas mentir en fait parce que tout le monde sait vraiment, c'est la vérité, c'est dans quel état t'es. En fait, t'es obligé d'être transparent et toi-même. Que dire encore quelques phrases là-dessus parce que vraiment c'est très important pour tout le monde. J'ai vu dans les yeux de tous ceux qui avaient autour de la table ce que c'était que le pouvoir d'extérioriser, littéralement extériorisé. J'en ai vu d'autres assumer qu'ils n'allaient pas bien du tout aujourd'hui, depuis quelques jours, mais qui savaient précisément que, comme d'habitude, en venant, on dirait que je fais la propagande, tu sais, ils allaient pouvoir parler ce soir et que ça pourrait grandement limiter la casse, voire complètement faire disparaître cet état d'âme. J'ai vu toute classe sociale, tout âge, réunis sans se juger entre eux. J'ai entendu des gens dire
Je suis alcoolique malade, j'ai fait le choix de reconnaître que, dans ma situation, l'alcool est plus fort pour éviter d'aller tenter le diable du premier verre en mode « Non mais c'est bon, cette fois-ci ça va aller !» Alors qu'ils savent qu'au fond d'eux, non, ça n'ira jamais. Et dans ce ruissellement, ben, j'en ai entendu d'autres dire, apparemment c'est une phrase assez populaire, « Un verre c'est trop, 1000 c'est pas assez. » Enfin, j'ai écouté des personnes au parcours de vie, comment dire, j'ai compris qu'ils aient pu à un moment donné à plonger en fait dans ce lâcher prise avec la boisson. Voilà, pour toutes les personnes qui s'intéressent, en fait, aux AA, il y a deux types de réunions, les fermées 7 jours sur 7 à plusieurs endroits de la ville, le lundi ici, le mardi c'est là, mercredi t'as capté, et les ouvertes une fois par mois dans chaque groupe. C'est dans celle-ci d'ailleurs que j'ai pu me rendre, elles sont faites pour accueillir celles et ceux qui auraient envie de venir voir comment ça se passe, des psys, des journalistes, ou même des proches de personnes malades. Pour nous, la posture est à l'observation et non à la prise de parole, mais on y est les bienvenus. J'oubliais le fameux alcool pur du début de vidéo. Ça pourrait être pas mal d'arrêter de diaboliser certains verres de spiritueux pour rendre inoffensif à contrario des demi de bière qui, en alcool pur, sont complètement équivalents. Oui, 25 centilitres de bière à 5 degrés, en vrai ce que vous prenez dans les bars, équivaut à 3 centilitres de verre de whisky. À 40. C'est vraiment des doses de lieux publics. Donc pour toutes les personnes qui se disent « Non, la bière, je prends ça parce que c'est clean, t'as vu, c'est léger, nanana, ouais. » S'il y a un truc pour lequel ça fait moins de dégâts, prendre une bière, c'est juste le portefeuille. Hein. Je trouve ça ouf que ce soit si peu populaire. Alors, même moi, c'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que j'ai appris. Bon, après, apparemment, on l'apprend quand tu passes le code ou le permis, un des deux, chose que je n'ai pas encore. Mais il y a des collègues qui l'ont, par exemple, et l'autre fois, j'étais en bar, justement, on était 5, et au mieux, sur ce nombre-là, ceux qui avaient conscience de l'équivalence à l'alcool pur, il y en avait deux. Les autres, ça leur a fait tout drôle de l'apprendre. Hein. J'ai une question, pourquoi la prévention publique ne nous matraque pas plus avec ce genre d'infos? Parce que c'est bien beau de nous parler de centaines de milliers d'accidents domestiques et routiers, de nous dire que, oh là là, il y a 40 000 morts sur la route par an, qu'on va choper 300 cancers de je ne sais où, et qu'il faut manger avant, plus boire de l'eau, plus prévoir une personne sobre pour conduire, et peut-être qu'il va falloir aussi commencer par péter 2-3 idées reçues sur justement certains alcools, quelques traditions, tout en apprenant à accompagner des potes qui ont le coude un peu léger parce qu'ils vont peut-être pas bien. Merci d'avoir regardé l'épisode. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-le volontiers autour de vous. Franchement, je vais pas vous dire l'inverse là. Let's go, sans modération, abonnez-vous aussi à la chaîne. C'est pas tous les jours que YouTube offre un tel contenu. Et au passage, ça me soutiendrait, moi et mon équipe, en fait, dans la production de ce genre de format. Parce que ça demande tellement de ressources à produire. La seule façon, pour moi, que ce soit viable, c'est au moins vous faites taper les 100-200K. Moment très important des remerciements, évidemment faites un tour chez le frérot Geno qui est le featuring de cet épisode et qui produit du très bon contenu sur la pop culture US et le marketing. Voilà, lui il est pète de les 100-200K, je suis fier de lui. Merci aussi à tous les participants, participantes du remake de Bref. Mentionnez Kian Kojandi partout où vous le pouvez. L'idée c'est de se faire repérer par Canal Plus là. On y va mollo. C'est que des artistes underground de ma ville. Ça me tenait à cœur de rayonner avec eux et elles. Je remercie aussi la cave spirituelle qui m'a accueilli aujourd'hui dans ce décor naturel dans lequel on a mis des petites lights. Sympa. La cave spirituelle, des décennies de savoir-faire dans les vins, les champagnes, les spiritueux. Que vous soyez amateur ou connaisseur, n'hésitez pas à les toquer. Ils sont super sympas et très jeunes. Allez leur faire un petit coucou à Toulouse sur Jeanne d'Arc pour justement aller voir leurs produits, leurs événements, privatiser peut-être les lieux, faire des dégustations. Merci à mon frérot Charles au cadre sur la TPSense. Sacré vidéo, sacré format. Tous mes copains sont alcooliques, ils sont un peu fous comme au gouvernement. C'est beau le rêve de l'harmonie, mais c'est impossible, je le dis ouvertement. Tous les pouvoirs sont chaotiques, population attend le soulèvement. Le vrai pouvoir est anonyme, tu peux voter mais pas pour les deux camps.